titre, de vous dire bonjour de nouveau. Voilà. Alors, je suis un peu mal barré là, il faut bien le dire, parce que je vais parler essentiellement de grand-mère Cal et des nénènes, et je crois, je ne sais plus ce que j'ai encore à dire, après tous les exposés brillants et toutes les évocations qui ont déjà été faites. Et en plus, je vais commencer par quelque chose d'assez ennuyeux, parce que je vais revenir au fait historique à l'histoire. Vous voyez, au fait historique, je vais dire l'histoire avec un grand H, au début, et ben voilà. Donc, m'excuse d'avance. Je ne sais pas, quand j'ai vu tous les contes brillants, je ne sais pas moi, des histoires absolument flamboyantes, à côté, ce que je vais dire, c'est pas tellement rigolo, quoi. Vous voyez, tant pis. Donc, la question de grand-mère Cal à La Réunion est intéressante parce qu'elle concerne des domaines très divers, comme l'histoire, la culture traditionnelle, le patrimoine, la mondialisation, le commerce et les loisirs. Ce qui s'annonçait au départ comme le récit d'un simple fait divers dramatique lié à l'esclavage et au marronnage prend au cours des siècles une ampleur et une tournure imprévisibles. Il suffit de voir les nombreuses versions et interprétations du personnage de grand-mère Cal dont nous disposons à ce jour pour nous rendre compte de la complexité de la question. Mais comment, d'une situation réelle, de l'histoire banale mais terrible d'une esclave et de son amoureux, est né un récit devenu un conte lui-même, devenu... Alors, légende aussi, je pense que je peux le mettre aussi dans cette catégorie par certains aspects, une légende polymorphe si vivante que grand-mère Cal, aujourd'hui encore, donne la vie à de nombreux éléments de notre actualité. Alors, pour être rapide, pensons par exemple à l'attribution de son nom à trois pitons récemment surgis du volcan de la Fournaise dans l'environnement, Piton Cala en 2004, Piton Cala et Pélé en 2015, et enfin Tikal en 2022. Donc c'est quelque chose qui continue à innerver, on va dire, notre actualité. S'y ajoutent des jeux pour enfants, qui mettent en scène des caractéristiques associées à son personnage, et même une bière, arborant une étiquette à l'image d'une sorcière esselée tout à fait classique. Ou un festival musical. Il y en a même plusieurs. Bref, l'image de notre sorcière pays est porteuse, très commerciale, croque-mitaine utile et gentiment monstrueuse. Mais à quel prix? C'est surtout au moment de la Toussaint qu'une présence marquée de grand-mère Cal dans notre environnement s'est intensifiée au cours des dernières décennies. L'adoption et l'acclimatation d'Halloween dans nos écoles et dans notre société s'accompagnant souvent, volontairement ou non, du personnage de grand-mère Cal. On peut y reconnaître le désir de créoliser, hein. Alors je n'entre pas dans les détails de la créolisation, mais je pense qu'il y a là l'idée d'adapter à la culture pays une manifestation anglo-saxonne vue comme inévitable dans la mondialisation actuelle. Comment éviter encore Halloween auprès de nos enfants et de nos jeunes? Comme on ne peut pas échapper aux grands courants internationaux d'une culture dominante, d'une mode, essayons-nous de nous en protéger pour la mise en avant d'une présentation qui conviendrait mieux à notre culture. Il est difficile, peut-être trop tôt encore aujourd'hui, pour évaluer la réussite ou l'échec de cette prise en compte. Mais il nous faut déjà mieux comprendre la situation, je pense. C'est à cela que je voudrais vous inviter, là, maintenant. Je prends un exemple très simple. Est-il possible d'échapper aux déguisements et aux accessoires qui habillent à peu de frais ces manifestations inspirées d'outre-tombe? Est-ce qu'on peut y échapper encore? Que faire de la mise en scène grotesque de la mort, des monstres de l'au-delà, des représentations de revenants, zombies et autres morts vivants? Leur fonction d'affrontement des angoisses de la mort dans leur pays d'origine est-elle aussi valable chez nous? Comment on se situe par rapport à cette philosophie-là? Quel impact dans notre société où les blessures et les traumatismes
laissés par une histoire particulièrement violente, sont encore prégnants. Beaucoup ont déjà tiré la sonnette d'alarme sur ce point précis, mais les résultats, je pense, restent vraiment mitigés. Pour ma part, je vais donc essayer, je dis bien essaye, hein, il ne faut pas attendre des miracles, hein, modestement, d'éclaircir la question en, remontant aux différentes phases d'évolution du thème grand-mercal depuis son origine. Puis nous verrons ensemble ce qu'il faut en penser ou ce qu'on va en faire. D'abord, nous allons partir du fait historique. Si tant est bien celui qui que celui qu'on s'accorde à le dire. Parce que même à ce niveau-là, c'est très très confus. Mais bon, on va dire qu'il y a quand même quelques indices. Alors là, évidemment, je peux évoquer, hein, ce n'est peut-être pas un conte, mais c'est peut-être aussi très menteur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, en tout cas, c'est une base. C'est une base, ça c'est vérifiable, c'est vraiment la base qui a donné naissance à toute une ramification. Ensuite, donc, le récit que la tradition retient et son évolution dans le temps. Et enfin, la dernière phase, en tout cas celle qui est actuelle, la plus vivace aussi, du récit créole à la légende et la tentation actuelle de la fondre aussi dans Halloween. Fait historique, de qui s'agit-il ? D'abord, on va parler des deux personnages qui nous intéressent. Alors, le premier, c'est Zélindor, bien marqué, qui a bien existé. Je devrais même peut-être dire les Zélindor, parce que Zélindor est un nom très courant dans l'esclavage, voyez. Pour être juste, donc, on peut même dire que des esclaves qui ont porté le nom de Zélindor, il y a un qu'on va donc sortir, c'est le chef de la révolte du 25 mai 1779 et que nous allons évoquer tout à l'heure. Lui, donc, il a bel et bien existé. On a l'existence historique d'un Zélindor qu'on va évoquer par la suite. Le deuxième personnage, l'esclave Kala, n'a pas son nom et surtout son rôle aussi clairement énoncé dans le même rapport de l'événement, du moins dans la forme qui nous est parvenue. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les esclaves qui s'appelaient Kala ont été très nombreuses dans les recensements à la Réunion. Kala est un nom qui veut dire tout simplement femme, fille, en malgache. Un sobriquet familier qui signifie donc quelque chose d'aussi simple, et de nombreuses qui arrivaient de Madagascar ont donné ce nom, surtout quand on le leur demandait, parce que les situations étaient très... Enfin, il y avait des situations multiples, n'est-ce pas, pour la nomination des esclaves. Je donne un exemple. Il y a une file d'esclaves nouvellement achetés qui débarquent dans un domaine. Ils sont là, sales, en haillon, désespérés, humiliés, et on leur demande de dire leur nom. Imaginez le contexte. Une femme dans cette situation ne va pas dire « Je m'appelle Rose du matin » ou bien « Fleur d'amour ». Ce sont des traductions de prénoms malgaches courants à l'époque. Non, elle va tout simplement dire « Kala ». Vous voyez, parce qu'elle ne peut pas, il n'est pas possible dans la situation qu'elle décline des vrais noms. Vous voyez ? Bon, si c'est un homme, il va dire « Coute », garçon ou homme. Quoi. Et vous en avez des Kala parmi les esclaves. Rien que dans le recensement quartier Saint-Paul 1735, j'ai trouvé 17 Kala parmi les esclaves malgaches. 17. Donc, c'est presque un nom générique d'esclaves, de femmes esclaves malgaches. Vous comprenez ce que je veux dire? Ensuite, alors maintenant, pour aller vite, on va s'intéresser à la date. Je me suis référé tout à l'heure à une grande révolte d'esclaves dans l'Est. 25 mai 1779, à la Pentecôte, environ 70 Noirs de Sainte-Suzanne et de Saint-André se rassemblent et montent un complot pour des raisons que les documents officiels cernent mal. Révolte contre les Blancs pour se libérer ou surtout pillage pour se procurer des biens de première nécessité, vol d'animaux domestiques qui engendre le meurtre d'un gardien. En tout cas, le projet échoue. À tort ou à raison, l'enquête retient surtout le complot contre les Blancs
et un projet de massacre, ce qui rend le verdict très sévère. 13 esclaves sont arrêtés, dont Zélador, Julie, Pierrot, Sylvestre. Je vais vous passer les noms des gens qui ont été arrêtés. Ils sont donc arrêtés pour vol d'animaux domestiques et pour le meurtre du gardien. Ils sont emprisonnés en attendant d'être traduits devant le tribunal. Durant le procès du 8 juillet 1779, 5 sont condamnés à mort, mais dans des modalités différentes selon leur degré de culpabilité retenu. Alors, 2 ont été condamnés à être rompus vifs. C'est le supplice le plus cruel. Hein. La personne est encore vivante, on l'écartèle et on la laisse, et on la laisse donc mourir sous le supplice. Ensuite, et donc d'autres suppliciés, 5 en tout cas sont condamnés à mort, dont une femme qui attendait un bébé, et comme le bébé est précieux, évidemment on ne va pas la tuer tout de suite, on attend qu'elle accouche, on récupère le futur esclave, et après on tue la femme. Elle est exécutée, et normalement c'était le jugement qui a été rendu à son encontre. Alors pour être plus rapide, Zélador a donc été, ce Zélador-là, bien historique, il a été donc démembré, brûlé, les cendres jetées aux quatre vents, parce qu'il a été considéré comme le chef du complot. Ce qui va se passer, et là où les choses se compliquent, donc Zélador était en couple avec Kala, une autre esclave. Et là où les choses se compliquent, c'est d'abord sur la position de Kala. Dans une première version, obligé comme tous les esclaves d'assister au spectacle, parce que la mise à mort des 4 condamnés était un spectacle public, ne l'oubliez pas, pour servir d'exemple, et devant donc le supplice insupportable de son aimé, elle n'aurait pas scié et aurait soutenu le regard des bourreaux qui attendaient qu'elle craque et manifeste des regrets, ce qu'elle n'a pas fait. Donc ça, c'était la première version qui a suivi un peu dans la tradition, la mort de Zélador. Kala ne meurt pas, ne l'oublions pas. Cette première interprétation, donc, la présente comme une femme fière, forte et digne, qui ne veut surtout pas montrer la moindre faiblesse et le moindre regret devant les bourreaux, face à la punition, entre guillemets, de s'être révoltée contre leur misérable condition d'esclave. Elle aurait donc persisté et signé sa volonté inébranlable de ne pas se plier et sauver son honneur. Mais c'est peut-être dans cette attitude-là que nous allons puiser la deuxième interprétation de son attitude. C'est cette deuxième interprétation qui va s'imposer par la suite. Cette version accuse Kala, cette deuxième version, donc, d'indifférence, de trahison et d'avoir fait avorter la révolte et en même temps de causer la mort de Zélador et des autres meneurs. Je peux avoir 2 minutes, là. On est dans le champ de la négociation. Alors, je ne veux pas prendre cette responsabilité. Est-ce qu'il peut avoir 2 minutes? Voilà, donc vous les avez. Ça, c'est de la démocratie directe. Merci, je n'ai pas de montre. Donc, ce qui se passe, je vais faire vite, là. Allez, j'arrête de regarder mon texte, ça me fait. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que 69 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est l'abolition de l'esclavage. On a oublié tous ces faits-là. Qui va raconter ces histoires-là? Certainement pas les esclaves. Vous comprenez, c'est là, côté maître non plus, on ne va pas s'en rappeler à l'abolition. Qui sont les... Oui, c'est cette société très partagée et tout aussi gênée par les relations des uns des autres que continue l'histoire de Kala. Alors, c'est comme ça qu'on va voir comment on passe de Kala, la véritable Kala, et les véritables Kala. Je vous dis, il y en a des... À mon avis, il y a 100 de Kala dans tous les recensements. Comment on va passer à grand-mère Kala? C'est là, en fait, le point sur lequel, je pense, il faut insister. Alors, comment on y passe? C'est tout d'abord parce que, à partir du moment où on veut renier ce passé de l'esclavage, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va chercher une sorte de manière de vivre tout ça de manière un peu plus paisible. Alors comment on va faire? On va déformer les histoires. Déjà, les véritables acteurs ne sont plus là.
commence alors la véritable histoire de grand-mère Cal. On passe de Cal à grand-mère Cal. Et quand on passe de grand-mère, quand on dit grand-mère, c'est quand même un terme affectif. Quand on dit de grand-mère, c'est quelqu'un de gentil, de qui vous aide, et ainsi de suite, ainsi de suite. Eh bien non, parce que cette grand-mère Cal-là, elle a vraiment tous les attributs de la sorcière. Alors moi, mon propos, c'est que l'explication que je voudrais lui emmener, je crois que grand-mère Cal, surtout dans la transformation de son histoire en une sorcière monstrueuse, on va mettre avec elle tous les... comment on appelle ça tous les personnages monstrueux des contes aussi, hein, entre Grand Diable, Citaran. Citaran aussi a été lié à grand-mère Cal, hein. Et ainsi de suite, ainsi de suite. À un moment, c'est Madame de Bassin carrément qui tombe dans le volcan et qu'elle jette aussi des enfants, et ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes ces monstruosités, à mon avis, reflètent une sorte de mal-vivre avec cette histoire-là qui est... Alors ça, je suis obligé de me revenir à mon test. Je demande encore une petite minute, ça. C'est la négociation, c'est CFA, ça. Voilà, donc cette... Alors, j'arrive déjà à ma conclusion là. Bon. Donc, l'appropriation populaire du personnage est en quelque sorte sa créolisation et elle rend adaptable à toutes les composantes culturelles de notre association. C'est peut-être pas là le plus important, ça a été déjà dit largement. Qui est donc vraiment grand-mère Cal, celle qui nous est restée? On pense évidemment à la nénène afro-malgache. Nénène, je vous rappelle que nénène veut dire en malgache petite mère. Hein. C'est aussi un terme d'affection. Sauf que la nénène qui soigne et élève les enfants du maître, on peut soigner mais on peut aussi empoisonner. Hein. On peut faire du mal, surtout au vu de sa situation subalterne gênante par rapport au rôle primordial qui lui est attribué. C'est elle qui s'occupe des enfants. Il y avait même des nénènes qui ont allaité les enfants. Or, c'est une esclave. Et elle garde son statut d'esclave. Pleinement. Donc, respect incongru pour une esclave, déjà. Est-ce qu'on respecte les nénènes? Non. Donc, ceci nous interroge, à vraiment interroger cette image de grand-mère Cal, qui sont donc une des manifestations, à mon avis, là, je termine vraiment, une des manifestations de notre, d'une sorte de, comment on va appeler ça, de mauvaise conscience collective envers ces nénènes, oui, ces nénènes afro-malgaches, quoi, qui ont tout fait pour les mettre, qui ont tout fait, et pourtant, qui n'ont pas du tout reçu leur considération. Et c'est cette mauvaise conscience collective qui nous a relégué, qui nous a relégué grand-mère Cal, qu'on a cristallisé autour du personnage de grand-mère Cal et qu'on appelle grand-mère mais qu'on rejette. C'est cette espèce de malaise fondamental avec le passé et tout ce que ces femmes esclaves, ancêtres, mères, ont donné et qui n'ont jamais été reconnues dans leur apport. Merci.